Jérémy Toulalan, ici à la poursuite de Firmin Moubel, a marqué contre Caen à Rennes, JS Evrard à FP. Le FCGB a subi sa quatrième défaite en 5 journées vendredi soir, à Rennes 10. Au Roison Park, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont chuté pour la troisième fois de suite sans marquer le moindre but. Le capitaine de l'équipe évoque une cassure depuis le match contre Amiens 21 octobre. Le mot « crise » sera-t-il désormais employé aux Girondins de Bordeaux? Tout porte à le croire après la désolante sortie du FCGB au Roison Park, où l'équipe de Jocelyn Gourvennec est tombée face au Stade Rennais 10, vendredi soir. 16 terminé 10 SRFC FCGB pic point twitter.com 6 PGCQ KF4U FC Girondin Bordeaux arrobase Girondin November 3, 2017. L'attaque ne répond plus à un nouveau revers, le quatrième sur les 5 dernières journées de Ligue 1, marqué du sceau de l'inefficacité, aucun tir cadré en 6 tentatives, à l'image de l'énorme occasion gâchée par Alexandre Mendy en toute fin de partie. La défaite est logique, reconnaissait dès lors Gourvennec, Jai trouvait le niveau technique du match assez faible, des deux côtés. On n'a pas été assez précis pour leur poser plus de problèmes. On a très mal fini nos actions, plus grand que à lire aussi face au FC Nantes, le phénomène Malcolm n'a pas suffi pour les Girondins de Bordeaux 11, une lacune en passe d'être récurrente puisque, depuis la réalisation de Malcolm face à Nantes 11, le 15 octobre, les Girondins n'arrivent plus à trouver la faille. Soit 313 minutes consécutives sans inscrire le moindre but. Au-delà de ça, on a été battu sur tous les ballons au cœur du jeu, notamment en première mi-temps, analysait l'entraîneur breton. On est dans le dur actuellement, il est ni grec à rien qui sourit, quelque chose s'est cassé contre Amiens, référence, sans doute, au CSC de Jérémy Toulalan, dont la déviation de la tête trompa Benoît Costil 12e minute. Il est ni grec à pas grand chose à dire, on est dans le dur, déclarait à Tours le capitaine bordelais. Quand c'est comme ça, il faut rester bien soudés tous ensemble, et puis travailler encore plus. On s'en sortira collectivement, plus grand que à lire aussi défense au point, recrue au top, Malcolm. Ce dont était composé le cocktail de l'invincibilité chez les Girondins de Bordeaux, l'ancien Nantais là sur Bordeaux n'avait pas pris la grosse tête après très bon début de saison, ponctué de 4 victoires et 3 nuls au bout de 7 journées. On ne s'est pas vu trop beau. Le souci, vraiment, c'est Amiens 10, 21 octobre. On aurait dû faire beaucoup mieux là-bas au Havre, où la rencontre fut délocalisée, et je pense qu'on a perdu un peu confiance par rapport à ça, estime Toulalan. Un seul objectif, mieux jouer, même s'il est aujourd'hui rentré dans le rang 8e, en attendant les matchs du week-end qui pourraient le faire basculer dans la deuxième moitié de tableau. Le sextuple champion de France a toujours de l'ambition, selon Jocelyn Gourvennec. Les notes mémo du catastrophique SRFC FCGB selon arrobase l'équipe Girondin FCGB Ligue 1 pic.twitter.com audit xad, dont Amar FCGB arrobase dont FCGB November 3, 2017, il va falloir faire comme l'année dernière, à savoir produire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour revenir dans la partie et améliorer notre jeu. Avant de parler du classement, c'est surtout ça l'enjeu, conclut le coach.